Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Deep into the Harp. Tout de suite et sans plus tarder, je vous montre la partition sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Il s'agit de Loi, toujours extraite donc de mon recueil Boîte à outils pour harpe à levier. Donc Loi, qu'est-ce que c'est? C'est une étude, entre guillemets, on va appeler ça une étude, autour de l'intervalle de cartes. Alors, qu'est-ce que sont les cartes? Une fois de plus, il y a un truc barbare qui s'appelle nom et qualification des intervalles. Qu'est-ce qu'un intervalle? C'est un écart entre deux notes. Voilà, c'est un écart plus aigu, plus grave. Et ce qu'on va d'abord faire, d'un point de vue simple, c'est le nom. Le nom, c'est si c'est Do, Ré, c'est 2, c'est un écart de 2, on va dire que c'est une seconde. Il faut compter sur ses doigts. La première note, vous la comptez. Do, Ré, Mi. Donc de Do à Mi, j'ai ce qu'on appelle une tierce. Tierce 3. Do, Ré, Mi, Fa. Do, Fa égale une carte. Si je pars d'un La, par exemple, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. De La à Fa, j'ai une sixte. Voilà. Donc, seconde, voilà. Après, il faut les apprendre. Il y a l'unisson, donc deux noms de notes similaires. Seconde. Un écart de deux, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, et ensuite neuvième, dixième, onzième, treizième, etc. jusqu'à l'infini. Enfin, pas l'infini, parce que... Enfin, voilà, en général... Après, ce qu'on appelle les neuvièmes, dixièmes, etc., c'est des intervalles qu'on va appeler redoublés, c'est-à-dire que c'est Do, Ré, puis Do, Ré, Do dessus, on appelle ça une neuvième, mais donc ça fonctionne... Bon, enfin non, là, je vais vous embrouiller. Donc, il y a le nom et qualification des intervalles. La qualification, c'est si c'est un intervalle qu'on va qualifier de mineur, majeur, juste, augmenté, diminué. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Mais en tout cas, à la harpe, on a un truc qui est très facile, c'est que pour nous, une carte à la harpe, qu'elle soit une carte juste, une carte augmentée ou une carte diminuée, c'est toujours le même écart. C'est-à-dire que vous avez... une corde, deux que vous laissez toutes seules, et une autre. Donc Do Fa, c'est une carte, ça c'est le nom de l'intervalle, je vous dis qu'elle est juste, même si je vous demande juste de me croire sur parole. Do Fa, carte juste, Ré Sol, carte juste, Mi bémol, La bémol, carte juste, Fa si bémol, carte juste, Sol Do, carte juste, et La bémol Ré, carte augmentée, c'est-à-dire l'écart, le rapport entre les deux notes est un peu plus grand. Bref, c'est juste pour vous dire qu'on va travailler sur l'intervalle de carte, donc c'est pour apprendre à placer son pouce et son 3. Si vous regardez la partition, en effet, vous voyez qu'il y a toutes les deux croches, là, à chaque fois, ce sont des intervalles de carte. Des cartes qui montent, Fa, Si, par exemple, des cartes descendantes, Sol, Ré. Donc là, ça va être 3 pouces, et là, ça va être pouce 3. Voilà, qu'est-ce qu'on voit dans cette partition? Donc, on commence toujours par le début. Je vous rappelle, la ligne du haut, c'est la ligne de main droite. La ligne du dessous, c'est la ligne de main gauche. Une ligne de main droite peut être en clé de sol. Majoritairement, elle est en clé de sol. Mais elle peut très bien être écrite en clé de fa. Si jamais la main droite se situe dans le bas de la harpe et n'est pas là-haut. Et à l'inverse, la clé de fa est essentiellement jouée... La main gauche est essentiellement jouée en clé de fa, mais elle peut également être en clé de sol si jamais votre main gauche est tout là-haut. Voilà, pour bien différencier. Je vais un peu vite puisque tout ça c'est vu dans les précédentes leçons. Donc la première chose qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle l'armure. L'armure, c'est ce qu'il y a juste après les clés. Ici, vous avez trois petits B, donc trois bémols, avec toujours dans le même ordre, sauf des écritures singulières, des écritures de plumes modernes, contemporaines ou de musique traditionnelle qui utilisent des gammes spéciales. Sinon, les bémols sont toujours dans leur même ordre. S'il y en a trois, c'est toujours un si, un mi, puis un la. S'il y en a que deux, c'est toujours un si, puis un mi. S'il y en a quatre, c'est si, mi, la, ré. Si, mi, la, ré, sol, si, mi, la, ré, sol, do, fa, etc. Donc là, trois bémols, qu'est-ce que ça veut dire? On se met sur mon tableau. Voilà, mon tableau, il indique que là, nous sommes sur la ligne, la première ligne grisée. Donc trois bémols égale, je peux jouer en mi bémol majeur ou colonne d'après en mi mineur, ou en mode dorien si j'ai un bourdon de fa, ou en mode phrygien si j'ai un bourdon de sol, ou en mode lydien si j'ai un bourdon de la bémol, ou en mode mixolydien si j'ai un bourdon de si bémol. Si tout ça, ça ne vous cause pas, ça n'est pas grave. Ce qui est important, c'est la dernière colonne. La dernière colonne me dit que je n'ai aucun levier à lever. Voilà, on est toujours dans le cas où vous êtes comme 95% des harpistes, c'est-à-dire vous jouez avec une harpe qui est accordée avec trois bémols à la clé, c'est-à-dire que quand tous les leviers sont baissés, vous accordez un Do normal, lettre C sur l'accordeur, un Ré normal, lettre D sur l'accordeur,
un mi bémol, vous la, à l'accordage, le levier est baissé, vous accordez mi bémol sur votre accordeur, c'est un E, B, E comme mi, petit b comme bémol, ou ré dièse, D, dièse. Donc ça c'est pour le mi bémol. Le fa c'est un fa, donc vous l'accordez F, lettre F sur l'accordeur. Le sol c'est la lettre G sur l'accordeur. Le la bémol, on l'accorde donc la bémol, c'est grand A, petit b, comme la c'est le A et petit b bémol, ou sol dièse selon votre accordeur. L'accordeur lui, il appelle sol dièse ou la bémol. En termes de son, pour nous c'est la même chose, c'est la même touche noire du piano, simplement l'accordeur il est paramétré pour avoir soit une notation soit une autre. Donc c'est la bémol, grand A petit b, ou sol dièse, G avec un dièse. Si bémol c'est pareil, soit votre accordeur va marquer grand B petit b, b comme si, le grand b, c'est si et le petit b comme bémol, soit A dièse comme la dièse, donc grand A et puis le hashtag dièse. Voilà, tout ça, ça fait de la révision, j'espère que je ne vous enquiquine pas trop. Nous revenons maintenant à notre partition. Donc nous avons trois bémols à la clé et des leviers, ce que j'appelle accidentels, c'est-à-dire qu'on prépare au début, qu'on va préparer pour pouvoir après jouer sans se préoccuper justement de ces fameuses qualifications d'intervalle, etc. Puisqu'à la harpe, on a un instrument qui triche, puisque on met la main, le doigt sur une corde, mais que cette corde peut être bémol, bécard, dièse. Nous, quelque part, j'allais dire, on peut ne pas le savoir pendant longtemps. Après, il faut le savoir. Il faut savoir ce que c'est que les intervalles, quels intervalles on utilise, pourquoi on les utilise comme ça. Mais pour l'instant, vous mettez des doigts sur des cordes et ça suffit. Donc, on a ces trois leviers. Le Do de la clé de Fa, c'est-à-dire le Do. Là, on a normalement le Do qui sépare, qui est le Do du milieu, qu'on va voir sur l'harpe. Ça, c'est le Do du dessous. C'est le premier Do en métal sur les harpes à levier. Et en clé de sol, on a mi, la et le la encore au-dessus. Je vous montre sur la. Donc ça, c'est mon do de référence, mon do du milieu, middle si. Et on va chercher le do dièse en dessous, que je lève. Le mi qui est au-dessus, donc qui va devenir un mi bécard, c'est-à-dire non altéré, sans dièse, sans bémol. Un la qui va devenir bécard. Et le la du dessus qui va devenir bécard et plus bémol. Voilà. Alors, nous allons commencer directement dans le vif du sujet par la main gauche. Alors, ma main gauche, où est-elle? Elle est là, c'est bien ça. Alors, ça, c'est mon Do de référence, Do du milieu. Donc, on va avoir Fa, Si, 3 et pouce. Donc, ça fera Fa, Si. On a deux croches liées à une noire. Ça veut donc dire que ça, c'est la liaison de prolongation, c'est-à-dire la liaison qui prolonge le son. On avait besoin de prolonger cette croche de la valeur d'une noire. Donc on a écrit une noire et on l'a prolongée. Ne pas confondre la liaison de prolongation avec la liaison de phrasé. Là, vous voyez bien que ce sont des notes différentes. Simplement, ça veut dire comme un chanteur dans une même phrase, dans une même proposition. Ça veut dire on respire avant et on respire après, a priori. En tout cas, on doit faire l'illusion que c'est un seul et même bout de mélodie. Donc là, c'est la liaison de prolongation. Donc, revenons à ma main gauche. Fa, Si, deux croches liées à noir, deux croches liées à noir. Donc ça, on va l'avoir quatre fois, cette occurrence. Ensuite, on va déplacer sa main d'une case et on va faire mi la. Et là, de nouveau, on va avoir quatre fois. Si je compte, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Et je remonte d'une case. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4 et je descends la main d'une case. Donc vous avez vu, 4 fa si, 4 mi la, 4 fa si, 4 mi la. Et là vous avez déjà quasi tout fait votre main gauche. On fait attention comme d'habitude à ne pas avoir la main comme ça, c'est-à-dire avec une articulation qui part en arrière, des doigts recroquevillés, ça c'est non. Au montage, je devrais mettre des grosses croix rouges pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, on a un poignet qui n'est pas cassé. Ça fait justement, je ne fais pas une noix avec mon... Vous avez vu comme c'est magnifique cette ombre chinoise. Non, bon, bref. C'est pas une ombre chinoise, mais enfin... Bon, bref, je ne vais pas faire de la marionnette avec mes mains. Vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, simplement, on n'a pas le poignet cassé, ni en avant, ni en arrière, comme ça. On a vraiment un poignet qui est légèrement... Voilà, ok. Dans la continuité, avec de la souplesse dans le bras, on n'a pas le bras qui est complètement coincé au niveau de l'aine. Je vous montre, en gros, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Parce que là, vous avez toute une tension dans l'épaule et dans l'arrière-bras. Là. Bref. Toc, donc, de l'air sous le bras.
Deux pouces. Le poignet pas cassé. Le troisième qui va au fond de la main. Le pouce qui tient quand je joue le troisième. Ça fait pas... Enfin, je sais pas comment vous faites. Bref, le pouce tient. La tenue de corde doit rester la même, quelle que soit l'articulation de mon doigt ou les autres doigts que je devrais jouer. Donc voilà, et c'est pareil. Quand je joue mon pouce, j'imagine que ma main reste fixe et que c'est mon pouce qui va vers la main. Parce que si je fais l'inverse, c'est-à-dire que je ramène ma main pour articuler, eh ben, il y aura pas de je perds ma tenue de corde et donc je perds mon son. Alors, c'est pas aussi caricatural que ça chez les élèves, mais ça fait des choses comme ça. C'est-à-dire que la main recule, donc on a presque plus de son dans le pouce. Je résiste avec ma main, mon troisième va au fond de la main, il se décolle. Et le pouce résiste contre la main, il va par-dessus et il se décolle. Voilà. Donc ça, on a fait pour l'instant les deux premiers systèmes de notre partition, c'est-à-dire, vous voyez, fa si, fa si, fa si, fa si, mi la, mi la, mi la, mi la, fa si, fa si, fa si, fa si, mi la, mi la, mi la, mi la. Et on arrive ici, on a notre fameux do qu'on a altéré avec notre levier accidentel, do dièse. Donc do, fa, do, fa, do, fa, do, fa. Et ici, do, fa, do, fa, do, fa, do, fa, à l'octave du dessus. Donc je vous le montre avec la harpe. Donc une fois qu'on a fait nos 4 fa si, 4 mi la, 4 fa si, 4 mi la, 4 fa si, 4 mi la, 1, on va sur do, métal, fa. Voilà, alors, un non-harpiste, il se dirait, ça, c'est pas une carte que j'entends. Je reviens sur la notion de qualification des intervalles. C'est que là, en fait, j'ai utilisé un do dièse en haut, et le do dièse, quand on est dans cette harmonie-là, on va entendre un ré bémol. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on n'est pas harpiste? On entend une tierce majeure. Mais sauf que nous, en tant que harpiste, on joue bien une carte. On joue bien un do dièse fa, que si on était dans une partition de piano, je l'aurais pas écrit do dièse fa, j'aurais écrit ça ré bémol fa. C'est ce qui va me permettre à moi de vous écrire une étude sur les cartes sans avoir nécessairement... ça reste des cartes puisque c'est bien un intervalle de do à fa et que c'est bien un intervalle de 4, do, ré, mi, fa par exemple. Mais en termes d'oreille, en termes d'harmonie, si on est un auditeur qui ne connaît pas la harpe et l'écriture pour harpe, on va entendre une tierce majeure à cet endroit-là. Et pour vous, vous continuez à travailler l'intervalle de quarte. Voilà l'intérêt de cette étude. On va faire 4 fois do fa, toujours 2 croches liées à blanche. Et ensuite, on va aller se déplacer sur le do fa do dessus. Je regarde mon écran, résultat, je ne regarde pas mes doigts. Do fa. Et là, pour le coup, on a une vraie quarte à l'oreille. Pourtant, pour nous, harpistes, c'est la même chose. C'est le même do fa, une octave au-dessus. Ensuite, il y a une barre de reprise. Je rappelle à quoi sert la barre de reprise. Vous êtes avec votre voiture, vous circulez. Et arrivé ici, vous prenez ça, c'est comme deux ressorts qui vous renvoient aux deux petits points de l'autre côté. Bing, donc vous voyez, et on revient ici. Donc d'ici, vous allez là. Là, on est passé dans le garage numéro 1. Donc vous passez dans le garage numéro 1, boum, vous redémarrez là où il y a les deux petits points. Vous refaites tout. Et la deuxième fois, vous évitez le garage numéro 1, vous allez dans le garage numéro 2. Et là, vous arrivez à la double barre, donc vous avez fini votre morceau. Donc voilà pour cette main gauche. On n'est pas sur un tempo... On est sur un tempo médium, donc c'est à peu près... Ça va faire quelque chose à peu près comme ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4. Et je descends d'une case. 2, 3, 4, 1. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, 3, et 4, 1, et 2, et 3, 4, et 1, et 2, 3, et 4, 1, et 2, et 3, et 4, je descends sur do dièse métal, do fa, on entend bien que c'est pas une quarte là, ça fait une jolie tierce majeure, 3, 1, 3, et 4, et je passe à l'octave du dessus. Là, je suis dans le garage numéro 1 et hop, je reviens au tout début facile. Voilà, etc. Vous rejouez tout. Et la deuxième fois, à la place de jouer 4 fois do fa, on a quelque chose qu'on verra tout à l'heure, mais en gros, on n'en joue que 3. Et ensuite, c'est la main gauche qui va. La main droite qui va finir l'arpège. Je vais vous montrer ça. Maintenant, on va s'attaquer à notre main droite. Alors, qu'est-ce que nous raconte la main droite? On va déjà regarder la partition. Sol, ré, mi, la. Donc, cette fois, à la différence de la main gauche, vous avez toujours des quartes montantes qui vont note grave, note aiguë. Là, vous avez une quarte descendante, sol, ré, et une quarte montante, mi, la.
Sol, Ré, Mi, La. Fa, Do, Ré, Sol. Fa, Do, etc. Et là, après, il y a des bouts de mélodie. Voilà. Donc là, c'est quand même la main droite, elle n'est pas que sur les cartes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Sol, Ré, Mi, La, Sol, Ré, Mi, La. Fa, Do, Ré, Sol. Fa, Do, Do, Ré. Je vais vous montrer ça avec les doigts. Donc, ça fait Sol, Ré. On est au-dessus de notre Do repère, Do du milieu. Donc, ça fait Sol, Ré, Mi, La, et Sol, Ré, et Mi, La. Et en fait, c'est la même chose, mais une case en dessous après. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Et plutôt que de faire un Ré, Sol qui remonte, encore une fois, on va faire Do, Ré ensemble. Ça s'appelle une seconde. Une seconde. Seconde majeure, Do, Ré. Donc, le premier système du morceau n'est pas très compliqué. Sol, Ré qui devient Mi, La. Sol, Ré qui devient Mi, La. Fa, Do, Ré, Sol. Fa, Do, Do, Ré. Voilà. Descendante, montante. Descendante, montante. Et je décale d'une case. Descendante, montante. Et Do, Ré. Voilà. Et ensuite, on va arriver à la partie mélodique. Donc, ça fait quoi ? Mi, Do, Mi, Do. Donc ça, Mi, Do, Mi, Do, ça s'écrit pouce, deux, pouce, deux. Alors, comme on l'a déjà vu précédemment, là, je vais tout rattacher. Donc, ça veut dire, je joue mon Mi. Avant de jouer le Do, je replace mon Mi. Je joue mon Do. Avant de rejouer le Mi, je replace mon Do. Je joue mon Mi. Et vu qu'il n'y a plus rien après, on ne replace rien. Donc, on reste le pouce tranquille, pas collé, pas tout serré comme ça. Et je joue mon Do pour finir. Pouce, je replace le pouce, je joue le 2, je replace le 2, je joue le pouce, je replace rien, je joue le 2. Mi, Do, Mi, Do, voilà. Celle-ci n'est pas très compliquée. Après, on a Ré, Si, Do, Sol. Alors là, cette fois, Ré, Si, je joue le Ré, et je replace un Do, et pas le Ré. Je joue mon Si, et je sors cette fois un troisième doigt, puisqu'on est sur l'intervalle de carte, Do, Sol. Ré, Si, Do, Sol, pouce, 2, pouce, 3. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, j'ai bien indiqué un phrasé, une liaison de phrasé, donc j'essaye de faire que ça soit très lié, les gâteaux. Et donc, c'est pour ça aussi que je vais doigter au maximum en rattachant les doigts. Donc là, est-ce que j'ai pris un crayon ? J'ai pas pris de crayon. C'est pas vrai. Pas de crayon, pas de carrière. Merci, Aude. Pouce, 2, pouce, 2. Pouce 2, pouce 3. Et je ferai un crochet entre pouce et 2. Le 2 se rattache au pouce et le pouce se rattache au 2. Je ferai ça dans les suivants. Tant pis. Dans cet exercice-là, il n'y aura pas de crayon. J'ai une petite indication. Main droite à l'octave supérieure à la reprise. C'est-à-dire une fois que vous aurez fait votre premier tour, votre Mi, Do, Mi, Do et votre Ré, Si, Do, et puis ce qu'on va voir, ne vont être joués à l'octave du dessus. Donc, ils vont être joués ici. Ici. Voilà. Alors qu'on était là. Voilà. Maintenant, on va voir ici. Alors là, c'est un doigté un peu spécial. Donc, moi, je propose ça comme doigté. Vous placez 2 et 3, Sol et Fa. Je joue le Sol. Je replace un Do avec mon pouce. Là, on a un intervalle de quinte. Do, je joue. Et Si, que je rattrape. Donc, Sol, Fa, Do, Si. Je place Sol et Fa, et pas le Do. Je joue le Sol. Quand il ne me reste plus que le Fa, je replace le Do. Je joue mon Fa. Quand il ne reste plus que le Do, je replace le Si. Je joue mon Do. Quand j'ai joué mon Do, je ne replace rien, et je joue mon Si. Voilà, et ensuite on a le même genre de doigté qu'on va retrouver avec la suite, ça fait La, Sol, Do, La. Donc La, Sol, je place La et Sol seulement sans placer le pouce. La, je joue. Quand il ne reste plus que le Sol, je place le Do, je joue mon Sol. Et là, je replace un 2 sur le La, je joue mon pouce sur le Do. Voilà, La, Sol. Donc, travaillez-le bien lentement pour pas que ça fasse.
puis que vous replaciez les doigts après. Il faut toujours que vous ayez un appui. On va se faciliter la vie. Dans un premier temps, on se complique, on se dit, mais pourquoi faut replacer les doigts? Et ensuite, tout ça, c'est des automatismes que vous créez dans la tête qui vont créer du calme intérieur, surtout quand il y aura les deux mains ensemble. Apprendre à faire les bons doigtés mains séparées, c'est ce qui permet de jouer mains ensemble vachement plus sereinement, vachement plus. Vous voyez comme j'ai un langage châtié, donc c'est vachement bien, n'est-ce pas? On va commencer à regarder la dernière mesure, donc je vous la montre. Donc là, qu'est-ce que c'est que ce là qui est tout là-haut? Rappelez-vous, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans la partition, donc c'est bien qu'on le fasse ensemble, c'est que là c'est marqué main droite à l'octave supérieure à la reprise. Ça veut dire que votre la, sol, do, la qui est arrivé dans le garage numéro 1, ça va être la, sol, do, la, celui-ci. Donc en fait c'est exactement le même la, sol, do, la à l'octave du dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'il est écrit à l'octave du dessus. J'aurais dû repréciser octave normale. C'était un peu, voilà, ça m'évitait de tout réécrire deux fois, parce que là, pour le coup, quand on fait une reprise et qu'on change l'octave, normalement, il faut tout réécrire une deuxième fois, et ça aurait été peut-être plus simple pour la lecture. Mais bon, je pense que les professeurs vont vous expliquer ça très bien, et qu'il n'y aura pas de raison que ça se passe mal. Donc, mon la, sol, do, la, on va imaginer, je vais reprendre ici. Donc, je vais faire mi, do à l'octave du dessus. Et donc, on imagine qu'on a déjà fait un tour. Ré, si, do, sol à l'octave du dessus, sol, fa, do, si à l'octave du dessus, la, sol, do, la. Et ici, on voit qu'on va avoir notre do, fa d'arrivée de la main gauche. Voilà. Et on va faire un arpège. Ça fera donc ça. Je vais prendre le dernier. La, sol, do. Et quand je vais jouer cela, je vais faire mon dernier do, fa à la main gauche. Je vais rajouter un do, fa à main droite. Et ma main gauche va passer par-dessus pour faire un do. Je refais. La, sol, do. Do, fa, do, fa, do. Et un fa. Ça fait une montée. Donc, gauche, droite, droite, droite. Ensemble, gauche, droite, droite, gauche et droite. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment ça fonctionne sur ce mains ensemble. Je vais le faire en grand angle. Je vais vous jouer le morceau. Et ensuite, on va revoir un petit peu en détail. 3. Je vais refaire directement. Allez, c'est parti, et je vais faire au bon tempo. 3 et... Thank you.
Voilà. Donc ce morceau, évidemment, c'est le dandinement de l'oie. On imagine la démarche d'une oie, c'était un peu pour ça que... Voilà, quelque chose d'un fois confiant et un peu gras. C'était ça mon idée. En même temps, il y a une élégance là-dedans. Voilà l'idée du titre de l'oie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce qui est... Il n'y a pas de difficulté sur le premier système, c'est-à-dire ceci, puisque c'est gauche-gauche, droite-droite, les mains sont en alternance tout le temps, donc simplement, s'il faut juste se dire, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, je décale les deux mains, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte, et ça s'arrête. Voilà. Je voulais pas faire avec la caméra dans le, mais c'est pas grave. Après, c'est là où c'est un petit peu plus difficile parce que la main droite va jouer sur les temps et la main gauche, elle est suspendue puisqu'elle fait deux croches liées. Donc il faut démarrer juste après. Ça fait deux croches, main droite, et ensuite ensemble. Voilà. Donc ça, on est obligé de décortiquer, de le faire 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, donc il faut bien l'écouter pour avoir cette indépendance des mains. Et la partie après bien difficile, c'est quand on a les 2 et 3 et qu'il faut bien penser non seulement au doigté de la main droite, plus le rythme. Voilà, et puis à la fin, vous avez cette fameuse montée. En alternance des mains. Voilà, en même temps, il n'y a rien de bien sorcier, il y a juste, c'est un morceau qui est là pour vous indiquer un intervalle, donc l'outil qui va solliciter l'intervention du troisième doigt. On a de nouveau des deux épouses aussi qui se glissent dans la main droite, donc il y a à faire attention à bien respecter les doigtés. Vous avez un mini arpège à la fin, donc le fameux do, fa, do, fa, do, et fa, pour l'alternance des mains, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite. Voilà, et puis harmoniquement, on a déjà un petit peu parlé comme ça des intervalles. Intervalle de quarte, une seconde majeure, des quartes justes. La quarte n'est la faute que les élèves font. La quarte est un intervalle qui ne peut pas être mineur ou majeur. Et c'est un intervalle qu'on va appeler juste. Juste, donc ça va être dans sa configuration, dans sa belle configuration toute ronde qui sonne. Très très plein, et puis quand elle est vraiment un peu au-dessus ou un peu en dessous, c'est vraiment des intervalles, enfin surtout un peu au-dessus. La quarte augmentée, c'est vraiment un intervalle très dissonant. Et puis ce qu'on appelle la quarte diminuée, c'est la même écart que ce qu'on appelle une tierce majeure, sauf qu'une tierce majeure, c'est des noms de notes qui sont sur trois crans: do, ré, mi. Do, mi est une tierce majeure. Do, ré, mi, fa bémol, par exemple, do, fa, ben fa bémol, c'est le même son qu'un mi, sauf qu'on est bien sur une quarte. Donc vous avez bien un résultat sonore qui est le même, mais d'un côté, vous avez une tierce majeure si vous écrivez do, mi, et de l'autre côté, vous avez une quarte diminuée si vous écrivez do, fa bémol. Ça, c'est vraiment la subtilité de la musique. Puis on se dit, mais pourquoi on n'écrit pas do, mi et pas de... Mais ça, c'est... On ne peut le comprendre que quand on sait que chaque note est une fonction. Il y a des fonctions dans une gamme, donc une sensible, même si c'est un sol double dièse, ça va être un sol double dièse, même si c'est le même son qu'un la. Voilà, donc ça c'est des choses, ça fait partie des subtilités de la musique. Il y a vraiment une partie qui est les intervalles, les noms de notes différents, et ensuite il y a comment on les qualifie. Et comme on va les qualifier avec ces mineurs, majeurs, augmentés, diminués, et quelle place ils ont dans un morceau. Et parfois, vous avez un même intervalle. Il faudrait que je vous trouve des exemples, mais en gros, une tierce mineure dans un contexte, do, mi, bémol, sol, do, par exemple. Ça, on entend un accord parfait de do mineur. On entend do, mi, sol. Par contre, mi bémol, c'est la même chose qu'un ré dièse. Par contre, on ne va pas écrire do, ré, dièse, sol, do. Pourtant, vous entendez bien que ça sonne exactement pareil. Par contre, si on est dans le cadre d'une gamme avec un mi bécard et un ré dièse, là, on entend bien que... Attendez, même si on fait ça. Si on est dans le cadre d'une gamme...
enfin non pas arabo-andalouse, mais une gamme orientale, voilà, je cherchais le mot. Si on est dans le cadre d'une gamme orientale, cet intervalle do, ré, dièse, c'est ce qu'on appelle une seconde augmentée. Si on le joue tout seul, on ne voit pas la différence, mais si on le place dans le cadre d'une gamme, voilà, ce do, ré, dièse devient lumineux d'être une seconde augmentée et pas une tierce mineure. Ça, c'est la subtilité des intervalles, et c'est ça qui est absolument génial, c'est que l'intervalle est une histoire de contexte. Seconde augmentée, on est dans le cadre d'une gamme orientale, tierce mineure, on est dans le cadre de la musique classique, dans le cadre d'une gamme mineure, etc. Voilà, en gros, j'essaye de simplifier, mais pour vous expliquer cette subtilité-là. Voilà, c'était notre exercice sur les cartes. Je vous remercie d'être toujours assidus et de continuer à progresser en harpe. C'est super, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo les besoins que vous auriez, les questions que vous avez. Et donc, chaque semaine, je vais publier une nouvelle composition, un nouvel tutoriel autour de mes compositions. N'hésitez pas à me soutenir, Tipeee en lien dans la description, vous pouvez faire un don mensuel ou ponctuel de la somme que vous voulez et ça m'aide à continuer d'investir dans du beau matériel et à vous faire des belles vidéos. À très bientôt et belle journée à vous.